Salut à tous, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter ma Liga BBVA. Donc je m'excuse qu'il n'y ait pas eu de vidéo hier. Tout simplement parce que hier, j'ai eu mon entraînement de football en fait. Et j'ai fini un peu tard les cours et tout, parce que j'avais une heure en plus, du coup j'ai pas eu le temps de tourner. Donc je tourne aujourd'hui. Donc d'ailleurs j'espère qu'il va pas être aujourd'hui, j'espère qu'il va avoir le temps de faire le montage et tout, mais bref. Logiquement, vous la voyez le samedi. Donc, ma Ligue BBVA, la voici. Donc là, bon, on vous voyez par héros, là. Alors, on va lui mettre un contrat, voilà. Ok, la forme, elle a pas l'air d'aller. Donc là, vous voyez ma Ligue BBVA. Donc avec du Morata Gamero. Donc, ça passe. C'est pas le mieux que j'ai testé sur dans les FIFA, mais ça passe. Isco, voilà, qui est à peu près équivalent à Dele Alli que j'avais testé. Kroos, voilà, je suis essentiellement pour les coups francs. Pariro, pas mauvais. Casemiro, voilà, bon milieu récupérateur. Tremoulinas, ça passe. Varane, bah, bon défenseur. Laporte, il est pas mauvais. Et fais voir combien il a de vitesse, Tremoulinas. Ah, je pensais plus, 82. Juanfran, bah, très bon aussi. Et lui, voilà. Pour ceux qui étaient là il y a longtemps. Enfin, l'année dernière, j'avais Diego Alves en boost. Il était littéralement énorme. Du coup, je l'ai repris cette année et il est toujours aussi énorme. Et à ce que je vois, j'ai toujours... Ah si, j'ai fait les 10 matchs quand même. Ouais. Parce que je me disais, depuis les 10 matchs, il était meilleur. Mais voilà. Donc, on va mettre une forme équipe, voilà. Puis, je vais regarder pour aller en fut champion. Donc, j'espère que fut champion est là. Parce qu'il y a souvent des critères et ça fait chier. Alors, détail compétition. Ah, il n'y a aucun critère d'entrée. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la compète. Enfin, je vais faire le maximum de matchs que je peux. Donc voilà, logiquement, si je suis bon, vous aurez une longue vidéo. C'est bon, 4 barres, ça passe. On va jouer avec le maillot du Brésil. Oula, il a le maillot Manchester United. Pour ceux qui savent pas, moi je suis pour Arsenal en première ligue. Oh putain, Sterling ça va aller vite. Butland, ouais, équipe vraiment pas mal. Hein. Assez bonne équipe avec du Ashley Williams qui a changé de tête. Ashley Williams, Otamendi. Ils ont mis à jour sa tête dans le jeu puisque lui il part bien en achat-revente. Je fais pas mal d'achat-revente sur lui. La TK en plus. C'est parti, défensif contre-attaque et on y va. Oh putain, putain, non, 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 il va trop vite. Allez, allez, David, Diego, oui, yes. Ah. Donc si je l'appelle David dans cette vidéo, c'est parce que c'est son surnom. Je sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler David. Herrera, et la frappe, et encore une fois, David, voilà, qui est là. Il est bon en ce goal, je vous le conseille, il vaut un petit peu cher, il vaut 40 000, enfin, pour certains, c'est cher, même pour moi, c'est cher. Mais bon, il joue en BBVA, hein. Il est vraiment très bon. Vous avez vu, à mon avis, ses stats 90 de plongeon, c'est vraiment bon. Isco, allez Isco. Ah putain. Dégage toi, compte de toi. C'est pas vrai ça. Attention à Matic. Et 1-0 pour l'adversaire. Putain, ça me fout la mort. Non mais ça me casse les couilles ici. Ce genre de but là, ils font une passe en profondeur, ça y est, c'est but quoi, c'est bon. Non, c'est saoulant. Là, d'une passe en profondeur, il y a but. Non, c'est bon, c'est chiant. C'est toujours le même but dans ce jeu. Je te jure. Fernandinho, attention. Oh putain, bien joué ça. David. Allez, allez, contre-attaque, allez, allez, Gamero. Mais putain, avec son Ashley Williams de mes couilles. Ok, renvoie la Pariro, elle est pas sortie. Tu l'envoies ici. Allez, on va essayer de bien construire là. Tu envoies Morata. Morata en bas. Allez, Tremoulinas. Morata. Morata en rouge. Mais oui, Alvaro Morata. Mais. What the fuck? Mais. Arrête-toi. Mais les... pourquoi j'ai une alarme qui sonne maintenant, ouais? Abuse. Pourquoi j'ai une alarme qui sonne maintenant? Tu m'expliques?
Ok, un partout, on a bien remonté, on a bien construit, on a fait des passes, on a enroulé. C'est ce qu'il fallait faire. Par contre, en défense, c'est là où je pue vraiment la merde. C'est là où je pue la merde en défense. Non, non, non! Oui, bien joué, David. En défense, je pue littéralement la merde, les gars. C'est pour ça, à mon avis, que j'arrive pas à me qualifier, parce que j'ai pas de mal à marquer des buts, hein. Même dans les matchs où je me fais littéralement laminer, je marque au moins un but souvent. Ok, j'ai la possession, il a les tirs et largement. Il me domine, hein. Dans l'ensemble il me domine, ça s'est même ressenti sur le match. Je comprends pas que j'ai la possession, mais bon. Je me fais dominer, hein. Il tire beaucoup plus que moi. David a été vraiment décisif. En même temps, j'ai mis un tir, un cadre, un but, hein. Et c'est pas du rééquilibrage parce qu'il a une note plus petite que la mienne. Tu l'envoies Casemiro. Casemiro, putain. J'ai fait de la merde, hein. J'ai fait littéralement de la merde. Contrez-les! Mes couilles! Putain! Avec ces Rashford de mes couilles là! C'est chiant parce que les gens ils sont sur la vitesse de leurs joueurs quoi! S'il te plaît, moi j'ai Morata, Gamero, ils ont pas de vitesse! Putain, les gens ils jouent sur la vitesse, c'est casse-couilles là! Rashford il avait je sais pas combien de vitesse! Putain! Ils sont chiants les gens avec leur équipe de vitesse là, c'est bon! Au moins je veux pas perdre quoi! Allez! Allez! Allez par héros! Frappe par héros! Putain, non, non, non! Moi je perds pas ce match, regarde-le, en plus il dégage loin sur ces putains de joueurs à 27 de vitesse, 27 milliards de vitesse là. Et voilà, regardez ça. Regardez-moi ça, aucun mérite, au moins qu'il tire à côté. Aucun mérite avec ces joueurs à 20 000 de vitesse là. C'est bon. Après, vous allez me dire, ouais, je rage, mais les gars, c'est normal dans une merde! Putain! Je comprends que ça pense sous les certains, mais bon. C'est casse-couille quoi. Mais putain! Mais ouais, je pète un plomb, ça m'énerve. Allez! Allez, tu peux marquer Morata, allez! Montre-moi que t'es pas un PD, montre-moi que t'es pas un PD. Mais nique ta mère, c'est bon. Allez, la 1-2. La 1-2, mais putain! Je sens qu'elle va voler la manette, je le sens qu'elle va voler, je le sens. Et voilà, avec ses vieux Wilson là. Voilà, fils de pute, en plus t'es pas bon. Ah, je pense que je suis désolé, hein, si on a des plus jeunes, je pense que je mettrai un avertissement au début de la vidéo, mais. Putain. Et voilà, ils jouent tout sur la vitesse. Ils jouent tout sur la vitesse. Ta mère. C'est bon. Ça joue que sur la vitesse en jeu. C'était une fin de frappe. Voilà, 83ème, c'est mort. Je me fais niquer, attends. Attends, on va faire comme le Barça, tu vas voir, la remontada, tu vas voir. J'y crois. Moi, j'y crois. On va faire comme le Barça. Pourtant, je suis pour le Real, hein. On va faire la remontada, tu vois. Tu vas voir. Remontada. Remontada. J'annonce remontada. J'annonce. Je vous jure, je fais la remontada, voilà. Hop, toi déjà dégage. Attaque de folie. J'en ai rien à foutre, attaque de folie. Regarde ce qu'il me fait. Il me faut, ce fils de pute. Mais siffle pas, j'ai la balle. Allez, allez, devant, attaque ton ballon. Allez. Il n'attaque pas son ballon. Voilà, attaque, allez. Isco. Allez, frappe. Oh, putain, dis-moi qu'il y a coup franc, dis-moi qu'il... Putain, j'aurais dû le jouer, le coup franc. Putain, 89ème, c'est bon. C'est bon, c'est niqué. Allez, c'est bon, là. Putain. Yes, c'est bon, allez. C'est bon, j'arrête de jouer, c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pour se faire niquer par dur à 97 de vitesse, là, ça sert à quoi? Allez, au moins un but pour l'honneur, là. Au moins un but pour la fucking honneur. Et nique-toi, t'es pas bon. C'est bon, là, c'est bon, allez, tu vois. Ah, non, c'est bon, ça va me casser les couilles, c'est bon, allez, tu vois. Ni ta mère. C'est bon, ça va me casser les couilles, c'est bon. Ce jeu de merde, là, c'est bon, allez. Casse-toi. Tu vois, fils de pute, c'est bon, j'arrête de jouer dans ce mode de jeu de merde. C'est bon, là. C'est bon. Ça va me casser les couilles. C'est bon, ça m'a gavé. Je merde.
Ouais, voilà. Allez, compte de ta mère. Putain, fils de pute. Et voilà. C'est bon. C'est bon. Il m'aura bien saoulé, ce merde. Il m'aura saoulé. La tête de roi, il m'aura saoulé. La tête de roi. Putain, mais... Quel trou de balle, quel trou de balle, quel trou de balle. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis con. Non, putain, non. Non, j'ai envie de pleurer. Ta mère, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Putain. Con de démon. C'est bon. Putain, les gars, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ah, j'en ai cassé les couilles, putain. Ah, je fais tout sur un coup de tête, ça m'énerve, putain. Con. Voilà, comment niquer 100 euros, comment niquer 100, comment niquer je sais pas combien d'euros que j'ai mis dans ce putain de jeu. 100 euros pour 100 euros pour le jeu. Et 100 euros de points FIFA, allez, c'est bon, nique-toi, c'est bon. Allez, c'est bon, putain, mais... mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quel triso! Mais quel triso! Mais c'est bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, putain, putain. Putain. Allez, gars, dites-moi s'il n'y a pas moyen de récupérer son club. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais putain. Putain. Mais quel trou de balle aussi que je suis, putain. Putain, sa mère, c'est bon. Putain, c'est bon. Allez, les gars, je coupe l'enregistrement, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Ce jeu de merde, regarde ce que tu me forces à faire, jeu de merde. Putain, allez, c'est bon, les gars, je coupe le truc, c'est bon, ça sert à rien.